Qualification, match sérieux et appliqué de l'équipe. Un bon dimanche. Ouais, un bon dimanche, mais surtout que moi ce que je veux retenir, c'est l'état d'esprit des joueurs. Ils sont venus pour faire un match sérieux, un match de Coupe de France, avec beaucoup d'humilité, et ça c'est important. C'était important justement de se rassurer un peu, retrouver la victoire. Moi personnellement, j'ai pas besoin de me rassurer parce que je connais la qualité de mes joueurs et la qualité de mon effectif. Ce qui s'est passé à Orléans, c'était un concours de circonstances avec 7 absents, 7 titulaires absents. À un moment donné, on ne peut pas faire de miracle, même si pour moi, on avait une équipe pour faire mieux à Orléans. Mais encore une fois, dans l'état d'esprit à Orléans, moi j'ai vu des joueurs courir, j'ai vu des joueurs se battre. Et le football, il y a toujours une équipe qui gagne et une équipe qui perd. Donc moi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question qu'après le match d'Orléans. T'as aligné beaucoup de jeunes au coup d'envoi. Tanguy, Sakari, Jules. Déjà pourquoi et qu'est-ce que t'as pensé de leur prestation? Déjà premièrement, c'est parce que par rapport à notre effectif et par rapport au nombre de joueurs qu'on a disponibles en défense, on est juste. Donc à un moment donné, on est dans l'obligation de manager un peu les temps de jeu pour certains qui jouent beaucoup. La deuxième des raisons, c'est que c'est des joueurs qui s'entraînent avec nous depuis le début de saison, assez régulièrement. Et c'est des joueurs qui ont les qualités pour pouvoir jouer ce genre de match. Et ils l'ont très bien fait ce soir. Des joueurs qui travaillent bien à la formation, avec des éducateurs compétents. Et Jules, Tanguy, Sakalou, ils sont dans leur progression individuelle de jeunes joueurs. Et aujourd'hui, ils progressent et on voit que voilà, on va pouvoir compter sur eux. Et c'était le match pour moi idéal pour pouvoir les lancer. Tu parlais d'état d'esprit, qu'est-ce qui t'a plu aussi dans le jeu? Dans le jeu, je trouvais qu'on avait retrouvé des circuits préférentiels, on avait retrouvé notre schéma de jeu aussi, qui était c'était important. Et voilà, ça permet de retrouver des automatismes. C'est la meilleure façon de préparer les déplacements. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Nos attaquants ont marqué, on n'a pas pris de but. Et ça va nous permettre de rattaquer une semaine de travail dans la sérénité. Même si à Valenciennes, on sait très bien que il faut toujours gagner, mais c'est bon, c'est de la bonne pression. De toute façon, on est là pour gagner les matchs. Et voilà, il y a des matchs importants qui arrivent. Il y a Sochaux, il y a Dijon, il y aura la Coupe encore, il y aura Boulogne. Voilà. Mais les joueurs, en tout cas, moi ce que j'aime, et je le répète, c'est l'état d'esprit. Alors, on sent une force collective dans ce groupe. On sent des joueurs qui sont contents d'être ensemble, contents de jouer ensemble. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever.